Salut à tous, c'est Jav, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 consacrée à mon deck. Donc déjà, merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment, c'est super cool. Grâce à la manette de Kaiba, je vous remets la vidéo en fiche pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Pour ceux qui n'ont pas vu la decklist, elle sera évidemment disponible en fiche. Et pour ceux qui sont là pour voir ce que peut donner le deck, eh bien, je suis en train actuellement de mélanger en espérant bien évidemment que la main s'y prête, qu'il n'y ait pas de bricasse, on va dire. De toute façon, bien évidemment, ce sera coupé au montage pour vous montrer une sortie correcte du deck. Bon, évidemment, vu que c'est des solo play, il n'y a pas d'interrupt en face, donc on va considérer qu'il n'y a pas d'entrap, bien forcément, pour vous montrer de quoi est capable le deck, mais pas forcément comment il se comporte. Alors, eh bien, c'est la pierre main. On va remélanger et repartir de suite. Alors pour des sourcils pratiques, on va bien évidemment mettre le deck en haut, le cimetière en dessous et les bannières en bas. Ce sera plus facile pour jouer. Allez, on est parti. Donc on va commencer par un renfort de lumière. On va de ce pas meuler 3. Tac. On va tuto dragonnet. On tuto dragonnet. Bon, la regain qui est partie au cimetière, c'est un peu pénible dans le sens où, eh bien, on perd du coup l'effet de Lubélion. Mais on va essayer de remédier à ce problème en faisant les choses autrement. Donc là, on va proposer un effet de Waze en remettant, évidemment, l'égide solaire sur le deck. Waze va se spé, on va meuler 2, égide solaire et Félix. Donc là, on a effet de Félix en ligne 1, effet d'égide solaire en ligne 2. Félix se spé, Égide solaire se 7. On va proposer un échange solaire sur Dragonnet pour piocher 2. Super. Et pour meuler 2. Bon, là on est plutôt bien au niveau de la meule en vrai. Effet de Dragonnet au cimetière. Quand il est envoyé au cimetière, on peut tuto un dragon de 3000 d'attaque, 2600 de défense. Donc là, on va aller de ce pas chercher le châtiment. Tac, dragon du châtiment. On n'a toujours pas invoqué par norme. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça va nous permettre de pouvoir continuer un petit peu à jouer et à extendre nos plays. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire effet de cipher depuis le cimetière. On va le bannir, target Lubélion pour le récupérer en main. On va le discard de suite pour aller chercher un bestial. On va aller chercher Magnamut. Qu'on allait piocher. Sinon, c'est pas drôle. On va déclarer l'effet de Magnamut en targetant Raiden. On va bannir Raiden, invoquer Magnamut, déclarer l'effet de Magnamut à l'invocation. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une synchro 10 tout de suite pour invoquer Dispater. On va invoquer Lumina, normalement. Effet de Lumina, on va bannir un Seigneur Lumière du cimetière pour réinvoquer un Seigneur Lumière. Donc on va bannir Dragonnet pour spé Dragonnet. Dragonnet fait une invocation qui nous permet de foolish un Seigneur Lumière. Donc on va envoyer Félix au cimetière. Félix va se déclencher au cimetière, ce n'est pas une fois par tour. Félix va se déclencher et on va déclencher Lumina vu que j'ai un effet de Seigneur Lumière qui est activé. Donc je vais meuler 3 et Félix sera invoqué. 1, 2, 3 et Félix est invoqué. Voilà, tac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une synchro 8. On ne pourra pas réactiver l'effet de Dragonnet parce que, évidemment, il l'a déjà été fait. Minerva est invoquée. On va déclarer l'effet de Minerva. Donc elle nous permet de foolish, enfin, d'envoyer au cimetière depuis le deck un nombre de Seigneur Lumière de type différent, les deux entre eux, en fonction du nombre de Seigneur Lumière qu'on a utilisé pour son invocation. Vu que j'en ai utilisé 2, je peux envoyer jusqu'à 2 Seigneur Lumière depuis le deck au cimetière. Donc là, je vais envoyer un wolf et je vais envoyer en fait malheureusement Waze, mais je ne vais pas déclarer Waze pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de place en fait, parce que là wolf va proc, donc wolf va se réinvoquer
Et Vase me permettait de target un monstre, mais il n'y a aucun que je voulais invoquer autre que Wolf. Alors là, on est dans une option où justement, eh bien, on a la meilleure sortie. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire une synchro 8 pour invoquer du coup Structure Psy. Donc là, on peut faire le premier Structure Psy en le bannissant. On enlève une carte de la main de l'adversaire. On va faire l'effet de Dissipateur qu'on n'a pas fait pour réinvoquer Structure Psy. Refaire l'effet de Structure Psy à nouveau pour enlever une deuxième carte de la main de l'adversaire. Donc ce qui fait que l'adversaire vient de perdre deux cartes de sa main. Donc ce qui est quand même pas mal. Enfin, deux cartes de sa main sont bannies et reviendront à notre prochaine standby phase. Donc là, si on regarde bien normalement, on a 4 monstres Seigneur Lumière de noms différents. Donc on peut invoquer sans problème le Dragon du Jugement. Et ensuite, on va déclencher l'effet de Minerva en bannissant, eh bien, 3 monstres Seigneur Lumière de noms différents. Donc là, je vais en bannir uniquement 3 parce que j'ai pas besoin d'en bannir plus. Vu que j'ai déjà Raiden de banni. Comme ça, on a exactement 4 Seigneurs Lumière de banni de noms différents. On va meuler le même nombre de cartes, c'est-à-dire 3. 1, 2, 3. On peut désormais invoquer Châtiment. Une fois que Dragon du Châtiment est invoqué, ce qu'on va faire de suite, c'est sacrifier Dissipateur pour invoquer du Bélion. On fait l'effet de châtiment pour envoyer tout ce qui est banni et tout ce qui est dans le cimetière qui ne s'appelle pas Seigneur Lumière des deux cimetières. Donc du coup, le joueur du coup en face va pouvoir renvoyer eh bien, les deux cartes que vous lui avez shootées de sa main avec Omega. Il va les renvoyer dans son deck. Hop, et on n'oublie pas évidemment qu'à la fin du tour, on a quand même un effet de Magnamute qui est quand même important. Hop, on va renvoyer les cartes d'extra. Tac, hop. On renvoie tout ça. Bon, ce qui est pénible par contre, c'est que vous renvoyez vos échanges solaires et vos renforts de lumière alors que vous avez techniquement plus trop de seigneurs lumière dans le deck. Maintenant, on va déclarer l'effet de Lubélion pour aller récupérer le regain qu'on a pu renvoyer dans le deck. Hop, on active regain. Regain dit chaque fois qu'une lumière ou ténèbres est bannie, vous pouvez le renvoyer sous le deck pour piocher un une fois par tour. Et lorsqu'un monstre est invoqué normalement ou spécialement sur le terrain de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un Bicial depuis le cimetière. Bon, là en l'occurrence, on n'en a plus. Mais au moins, déjà, on a une possibilité ici de pouvoir jouer. Là, on peut ensuite faire, hop, on part sur numéro 38 pour s'arrêter ici. Sachant que avec l'égide qui est face verso, on a potentiellement deux negates. Et une negate de magie ici en plus. Ou alors, on peut extend avec le vampire zombie. Vampire zombie, faire l'effet du vampire zombie en envoyant le jugement dragon au cimetière pour me les 4 des deux côtés. Magnamute, Lubélion. Sacrifice inutile, renfort de lumière. Donc on rappelle qu'on peut invoquer des deux côtés. Donc en fonction de ce que l'adversaire invoque, en fonction de ce que l'adversaire foolish, eh bien vous pouvez peut-être récupérer quelque chose qui vous intéresse. Là en l'occurrence on va récupérer Magnamute. Même s'il a déjà fait son effet, c'est pas grave. Ça reste un body supplémentaire sur le terrain. Si vous voulez pas l'invoquer, vous pouvez ne pas l'invoquer. Et là ce qui est intéressant, c'est potentiellement de faire soit numéro 38, soit alors de faire les deux dragons ensemble pour faire saut erratique ou IP. Voilà. Donc là on peut faire soit saut erratique, soit IP. Il est peut-être même préférable, je pense, vu la situation, de la faire IP en laissant châtiment et juste d'envoyer Lumina Magnamute. Et comme ça, eh bien, tout simplement, on a la possibilité de faire quelque chose ici. La negate ici. Le vampire zombie, bon, qui a fait son effet. On peut ramener un monstre avec regain. Et en fin de tour, on n'oublie pas qu'on a la tuto de Magnamute qui vous permet soit d'aller récupérer Dragonnet, ce qui n'est pas forcément le plus intéressant. Je pense que le plus intéressant, ça reste d'aller chercher un Druizhurm. Bon, voilà pour la sortie potentielle du deck. C'était pas la meilleure, mais elle est correcte. On rappelle quand même qu'on a shooté deux cartes de la main de l'adversaire, ce qui est quand même pas mal. Si on avait eu du coup ben, Lévianir, on aurait pu aller en chercher une autre directement dans sa main. Là en l'occurrence, Lévianir n'est pas passé. Donc, on n'a pas pu aller chercher ça. Mais bon, voilà un petit peu de quoi est capable le deck. Voilà ce qu'il en était pour les possibilités avec mon deck. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me contacter, il y a beaucoup d'autres cartes qui sont disponibles. Je ne les ai pas mis dans mon deck. Rico, Minerva, Xyz ou Michael Legrand même, qui est un synchro 7 qui est quand même utile, mais je trouve pour moi que bah, c'est un peu mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était déjà, portez-vous bien, faites attention à vous, à très bientôt.